Aïe aïe aïe, la calva, c'est mensonge. J'ai toujours eu exactement ces golfs. J'ai un très grand front naturellement. Regardez ça. Sinon, ma hairline est classique. J'ai pas de calvitie, fils de pute, sur le corps, d'un mec, j'ai pas de calvitie, regardez bien. Les cheveux après le casque, ouais. Au pire, j'ai une calvasse, je me rase le crâne, hein, je vous dis. Franchement, j'en ai pas peur. Les gens, ils sont là, terrifiés de la calvitie. Moi, je suis là, coup de tondeuse. J'aurais plus besoin d'aller chez le coiffeur, GG. Ouais, non, mais notre compo, c'est une clown fiesta là. Ils ont vraiment juste pris des trucs au hasard. En plus, il y a un OTP Mundo en face. Aïe aïe aïe. Ah bah, on est contre le briefcase man. On est avec Peng sur son Ziggs. On a Kindred, ouais. Bon, j'ai une revanche à prendre sur briefcase man. J'ai déjà prise 3 fois ma revanche, mais j'ai une 4e revanche à prendre sur briefcase man. Pour la fois où il m'a stream snipe. Je me rappellerai toujours du jour où il m'a stream snipe into target ban. Ah, je sais pas si c'était à la suite. Si, non, c'était la même game en fait. Genre, il m'a stream snipe pour me target ban plutôt. Et il m'a stream snipe toute la game après. Et en fait, je lui ai volé Mundo parce qu'à l'époque, mon deuxième pick c'était. Oh là. À l'époque, mon deuxième pick c'était Mundo. Du coup, il avait piqué sa vieille Eloy puante et ils avaient perdu la game. Vraiment, il avait snipe, il avait rien eu. 0 sur 20. Ah, fichier, je me suis mal positionné. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai loupé 2 CS tellement bêtement. En plus, j'ai pris un coup près. Putain, j'arrive pas à le E. Juste lui gratter un E depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Ok, pas mal ça. Tenter un play. Il est mort, je pense. Ouais, à moins qu'il ait des grands talents de dodger, il était mort. Je flash de manière à ce qu'il puisse vraiment pas me space. S'il y a Viego, c'est très triste. S'il y a Viego avant que je puisse crash. Si je meurs mais que j'ai crash, c'est fine. Ça a l'air d'être fine. C'est fine. Y'a plus de phase rush. Là, je peux le run down. Je peux forcer plus. Il y a plus de phase rush. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai vraiment l'impression que juste il voulait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a trollé, genre. Il était juste là pour essayer de se foutre de ma gueule. Je n'ai pas compris l'action, là. Putain, il a pas dodge comme je le pensais. Si je meurs, c'est triste. C'est cool. Pas trop ce qu'il a fait. Je sais pas trop ce que j'ai fait non plus. Mais c'est moi qui ai gagné. Putain, du coup, c'est théoriquement possible d'avoir 5 autofills. Si vraiment le système genre décide de se foutre de ta gueule, tu peux avoir 5 autofills. Genre imagine le scénario où t'as un main top et 4 supports. Full main top en support. Et tu répartis les 4 supports sur les autres lanes. Là t'aurais 5 autofills. Hautement improbable, mais théoriquement possible. Normalement c'est censé être improbable sauf si le matchmaking est vraiment codé comme de la merde. Tu sais jamais ce que Riot peut inventer hein. Il aime trop ça. Prendre des puffings trop bizarres, il aime trop ça. Genre c'est vraiment trop bad de laisser un Mundo scale. Oh, j'ai eu le canon en plus, mais j'ai envie de pleurer de joie. Mais c'est pas comme si LOL pouvait pas être codé comme de la merde. C'est vrai que LOL peut être codé comme de la merde. En vrai, no troll, 100% réel, la quantité de bugs qu'il y a dans LOL, dans le jeu in-game, je parle. Parce que si tu parles du client, bon, on en a pour 8 ans. Mais en vrai, la quantité de bugs qu'il y a in-game par rapport au nombre de champions, etc. No troll, c'est dur de juger les développeurs pour ça. Genre vraiment, ce serait rude de fou. On se rend pas compte le boulot que c'est. Bon, je pense qu'on a gagné... beaucoup de points de victoire potentiels là. Cette action. Pourquoi il ulti pas, je comprends pas. À la limite, essaye un peu de survivre, tu vois. J'ai bien compris qu'il voulait juste prendre la tour en acceptant sa mort, mais tant qu'à faire, ulti. Oui, non, j'avoue que le bulk, tourelle, Azir qui nique les oreilles. Ça fait littéralement depuis 10 ans, et je n'abuse même pas en disant ça. Ça fait littéralement 10 ans que le bug existe. C'est rarement des bugs gamebreakers. Oui, et puis généralement, ils agissent vite quand même quand il y a des bugs gamebreakers.
Alors quand c'est vraiment des grosses dingueries, c'est rare que ça reste... Que ça reste longtemps. Il désactive généralement le champion ou le jeu carrément. Ça dépend à quel point le bug est huge. En vrai, j'ai envie de le chase juste pour lui péter les couilles. Pour qu'il puisse bien pas prendre la wave. En vrai, il a trop de moussuites, je peux pas lui toucher une hache. Genre, en vrai, il peut réflexe toutes mes haches. Je peux pas lui les toucher. Littéralement. Genre, à moins qu'il troll, il a trop de moussuites pour que je puisse toucher une hache. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Que je le dive. Oh. Ah oui. J'hésitais depuis tout à l'heure, mais il m'a donné un angle. Il s'est trop approché, du coup il a eu plus la mousse speed de dodge. Il est pas son phase rush de hop en plus. Oh vas-y, c'est pas grave, quitte à crever. Quitte à crever, je joue cette tour. Mais en plus, je crève même pas. Oh là, ils sont combien? Vas-y, je peux peut-être caler un flank, hein. On tape qui on peut taper. J'avoue, j'ai pas tapé qui je pouvais taper, j'ai pas tué le Viego. Ah bah c'est de back, je pense. Hein. En vrai, si on, le tue, si on en tue au moins 3, c'est big. On peut pas le tuer, lui, là. Waouh. J'ai jamais vu un businessman courir aussi vite. C'est quoi ce businessman sous je ne sais quelle substance, là. Waouh. Encore une fois, on tape qui on peut taper. Tout devrait bien se passer. Ok, tout va mal se passer, je suis finito. Ok, tout va très bien se passer, je suis Olaf. Ok, tout s'est trop mal passé, c'est la merde. Ok, j'ai pu reset l'ulti, c'est bon. J'étais pas serein, mais j'ai pu reset l'ulti. Je suis pas serein en fait. Normalement, on a le Drake, en théorie. Ils en ont combien? T'as jamais été attiré par Jace? Un peu, mais vas-y, c'est trop squishy pour moi. J'aime trop pouvoir faire 15 erreurs dans la game et pas mourir. J'aime trop pouvoir faire 15 erreurs dans la game et que sur 15 erreurs, il y en ait 5 qui créent un play et qui solo win la game. J'aime trop ça. J'ai vraiment voulu tempo mon R. Oh, c'est très très rigolo. J'avais pas de summoner en vrai. Je sais pas si on aurait dû jouer ce fight. C'est plutôt notre avantage, on fait cramer beaucoup. Oh, ouais, quand même, hein. Après, non, si, quand même. J'allais dire, il a pas beaucoup d'armor, mais si, il a acheté la blinde en fait. Ah, ouais. Moi, j'avoue, je suis chaud qu'on force un fight. On a explosé, mec. C'est quoi? En fait, je vais juste l'ignorer, pas le taper. Sustain sur les CS les dégâts qui me collent parce qu'il me fait pas assez mal pour me menacer. Et finir la game. Mon équipe a gagné au bot. Bah, on a gagné la game avec 4 autofills du coup. Bah, GG. GG, écoutez.